Au quatrième étage, s'il vous plaît. Qui c'est? Yvan Attal. Ah, Yvan Attal, je l'adore. Tu connais Yvan Attal? Bah, un petit peu, oui. On avait déjeuné au Bristol. Exact. Tu viens avec lui et Chabat? Oui, exact. Ouais, j'ai un second qui a tourné avec lui. Ah bon? Ouais, il a tourné avec Attal. Il l'a trouvé sympa? Ah ouais, super sympa. Ouais. Par contre, la journée de tournage d'enfer. Un jour, ils ont joué au ballon, ils flottaient, mais alors. Il s'en rappelle. Mais c'était dans son film à lui. Ah ouais, ouais, ouais. Ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants. Oui, c'est ça. Exact. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, madame, mesdames, messieurs. Comment ça va? T'as ma cassette? Non. T'as pas ma cassette? J'ai pas ta cassette. Ah, il est génial. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Tu vas l'avoir, ta cassette. Non, mais je pensais que tu me l'apporterais. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Éric Fréchon, Stéphane, Yvan Attal. Alors, il paraît que son second a tourné avec toi dans Il se maria, ils ont beaucoup d'enfants. Ah bon? Ouais. Et il paraît que c'était une journée terrible, qu'il a plu toute la journée, c'est ça? Ouais, ils avaient joué au ballon avec vous. Oui, c'est quand il joue au ballon, il va jouer au ballon le samedi matin. Ah là, non, dans Il se maria. Il se maria, ouais. Ah ouais, on a galéré au football. La journée, il paraît que ça a été terrible. Ouais, on a galéré, il faisait un temps affreux, la pluie, tout ça. Et puis, ce qui est terrible, c'est quand un rayon de soleil, tu commences à tourner, le rayon se barre, t'attends 2 heures avant qu'il y ait un nouveau truc. Enfin, c'était 2 ou 3 jours horribles. Enfin. À la tienne. À la tienne, à la vôtre. Donc, ma cassette. Écoute, dès que je tombe dessus, enfin, c'est pas dès que je tombe dessus, c'est dès que le pain se casse. J'ai prêté une cassette qui s'appelle Paris Interdit, c'est une version de Paris Dernière trash. Il ne veut pas me la rendre. J'ai retrouvé la boîte, je te jure. Tu as la boîte, c'est déjà pas mal. J'ai retrouvé la boîte, donc je sais que la cassette est chez moi. Et il y a un petit salon où je regarde les vidéos, etc., que je fais repeindre. Donc pour l'instant, c'est bâché, machin, etc. Je ne peux pas y rentrer, quoi. Ouais. Tu penses que ça va durer combien de temps? Là, je pense que c'est fini demain ou après-demain. Non, tu fais te la filer, ta cassette. Me fais pas chier, putain. T'as appelé le docteur Spatira? Non, toujours pas. Attends, il y a 3 mois, il me dit je suis malade, il faut que je fasse un check-up. Je suis sûr que j'ai un truc. Non, mais c'est aussi pour ça que je veux pas l'appeler. Je l'ai envoyé chez mon toubib, qui est extraordinaire, pour faire un check-up à l'hôpital américain. Et chaque fois que je le vois, je lui dis d'appeler le docteur. J'ai le numéro dans le petit texto, toujours. Ouais, ouais. Mais j'attends la sortie du film. Mais en fait, t'es pas malade. En fait, t'as pas de maladie. Écoute, j'ai une petite... Quand je touche ici... Tumeur. Non, mais c'est parti. Une petite tumeur. Putain. Tu vois, une petite boule. Là, c'est parti. Ouais. C'était ce moment-là. J'ai flippé. Il est hyper hypochondriaque. Mais je croyais que c'était parti. Ouais. Et c'est revenu. Et ça revient, mais tout doucement. J'ai vu ton film, alors. Alors, c'est pas mal, hein. Moi, je trouve ça très bien. C'est pas mal, hein. Ouais. Premier film. Avec Sophie Marceau. Il sort un film avec Sophie Marceau. Alors, il a fait « Ma femme est une actrice », parce qu'évidemment, ça doit être gênant quand sa femme tourne avec d'autres acteurs plutôt beaux. Mais lui, il se fait pas chier, je peux te dire qu'il embrasse Sophie Marceau. Ouais, mais en même temps, il embrasse Sophie Marceau à pleine bouche pendant tout le film. Ils ont coupé une scène de cul. Enfin, ils ont coupé pas après tournage. Ils ont coupé du scénario, quoi. Ah, du scénario. Du scénario. Et pourquoi elle voulait pas? J'ai pas eu plaisir. Ah non, ça n'a rien à voir avec elle. Enfin... Qui voulait pas? Non, mais c'est vrai que dans le film, puisque tu as vu le film, et qu'on ne peut pas trop en dire. Ouais, non, on ne peut rien dire. On ne pouvait pas avoir cette scène de cul avant la fin. Mais l'histoire est vachement bien. Hein. Vachement bien. Tu sais quoi? C'est la première fois que je vois un film avec moi et que j'arrive à voir. Ah oui. Mais vraiment. D'habitude, tu ne peux pas te regarder. Je ne peux pas me regarder. Par un monde, non. On peut raconter que le point de départ. Stop, un mec qui prend. Un mec dans un train qui se fait draguer par une gonzesse. Qui se barre parce que sa femme l'a quitté pour se rafraîchir les idées. Il y a une espèce de femme fatale qui arrive en face de lui, dont on comprend qu'elle est un peu louche parce qu'elle reçoit une lettre au début du film et elle se met en face de lui pas pour rien, elle le manipule, elle l'emmène avec lui en vacances, évidemment le mec la suit n'importe où, hein. Il est vraiment... elle l'emmène au Carlton. Elle l'emmène au Carlton, on passe une nuit ensemble, elle se refuse, le matin elle est plus là, je suis réveillé par des mecs avec des flingues comme ça et le film part. Et voilà. C'est sorti aux États-Unis, Il se marie à sur beaucoup d'enfants. C'est sorti le vendredi dernier à New York, ça sort d'abord à New York, ensuite à Los Angeles. Et si ça prend un peu, ils ouvrent. Tu sais, ils ne font pas les sorties. Dans combien de salles ils le mettent à New York, par exemple? New York, 2 salles. Ouais. Une salle, cette fameuse salle à côté du Plaza, là, tu sais, le Paris. Et une salle dans le village. Ça sort à Los Angeles le 29 avril, je crois, au Royal.
une salle sur Santa Monica Boulevard. Et ensuite, si ça marche un peu, ça sort un peu de partout. C'est classe, non ? Écoute, c'est très agréable d'aller faire la promo là-bas parce qu'ils ont une manière totalement différente de parler de cinéma. Tu parles anglais ? Yes. Couramment ? Couramment. T'as fait des gros talk shows ? Ah non ! T'as fait quoi ? Non ! C'est quand on fait la promo aux États-Unis, on est des babos hein, quand même, quoi, tu vois ? On fait des petits trucs. Pour Ma femme est une actrice, j'ai fait plus de choses un peu plus grosses parce que c'était un plus gros distributeur et ça sortait tout de suite dans plus de salles. Ça sortait à Boston, Chicago, Philadelphie, etc. Donc j'ai fait une grosse tournée. Mais tu ne veux pas faire un remake de Ma femme est une actrice ? Si, mais c'est en cours de négociation tout le temps, tu vois. Donc c'est très long en fait. Très très long. Claude Berry leur demande de l'argent, c'est pour exactement. Ça. Mais il est con, toi. Non, il a raison parce qu'il s'agit de ça. Ouais. C'est qu'une histoire de pognon. Ouais. Quel est l'intérêt de voir son film refait ? Ils font un meilleur film, t'es un peu humilié. Ils font un moins bon film, t'es déçu quand même. Dans les deux cas, chances, t'es foutu. Deux chances sur deux d'être de mauvaise humeur. Autant prendre du blé, quoi. Ouais. C'est que ça l'histoire. Donc il a raison de ne pas se laisser faire là-dessus, quoi. Et ça s'appelle comment Il se marie sur beaucoup d'enfants ? Happily Ever After. Oh, c'est bien. C'est joli. Ah, c'est joli. Ils ont pris la même affiche. Et ils t'ont refait le montage comme ils font d'habitude ? Non, mais moi, j'ai coupé quelque chose de mon film. Ah ouais, t'as coupé quoi ? J'ai coupé, écoute, je sais pas si tu te souviens, mais à la fin du film, on voit les deux Alain, là, dans le jardin, quand il y a à chaque fois leur femme qui sort et qui les fait chier, tu sais. Et comme un con, j'ai rajouté un truc qui n'était pas dans la version du scénario, où une fois que tout le monde rentre dans la maison, je réapparais au téléphone, toujours au téléphone avec la maîtresse. Ouais. Toujours avec elle, quoi. Ouais. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas résolu, qui n'était pas fini. Tu continues à appeler ta maîtresse à la fin du film. Exactement. Ouais. Alors que les Américains, ils ont dit, il reste avec Charlotte. Non, c'est pas les Américains, c'est moi qui ai voulu couper. Parce que j'ai voulu le couper même pour la sortie française. J'ai réalisé ça après coup. 15 jours avant la sortie, un matin, je me réveille. Je ne sais pas pourquoi, dans la nuit, j'ai dû penser à ça. Je me suis dit, merde, j'aurais dû couper ce truc-là. Ouais. Et j'ai pas osé demander à Claude de retourner au montage, mixage, etc. Je me suis dit, il va me dire, attends, c'est 4 secondes de film. Tu vois, j'ai pas osé. Et là, j'ai eu l'occasion de le faire pour la sortie américaine, de voir le film différemment. Et ben, c'est incroyable. C'est pas le même film. Non, mais comment 5 secondes. Tu vois, un coup de fil, ça change toute la fin du film. Autant les gens ici sortaient un peu plombés, tu vois, disant, je me souviens toi. Bah oui, parce que moi, quand je suis sorti, je me suis dit, putain, tu te souviens de ce que je t'avais dit ? Le pitch de ce film, c'est que le célibat, c'est l'enfer. Le mariage, c'est l'enfer. La famille, c'est l'enfer. Sûr. C'était assez... C'est tellement noir à la fin et pessimiste que ça faisait chier les gens. Alors que là, d'abord, ça rend mon personnage un peu plus sympathique. Bon, ce qui n'est pas énorme en soi, mais ça sauve le personnage de Charlotte. Ça donne un peu d'espoir. Et quand elle arrive dans l'ascenseur avec Johnny Depp, il y a quelque chose de plus léger. Et comme un con, j'ai pas vu ça. Ceci dit... Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Francis et Christiana. Au quatrième étage, s'il vous plaît. Merci. Charlotte se barre aux États-Unis, là ? Non, elle se barre d'abord à Buenos Aires. Tournée avec le mec qui avait fait Respiro. Ouais. Elle tourne avec lui pendant 2 mois et demi, jusqu'au mois de juillet. Et ensuite, elle va aux États-Unis faire un truc super avec Todd Haynes. Un film avec Colin Farrell, Adrienne Brody, Julianne Moore, Cate Blanchett et Richard Gere. Et tous à égalité, en fait. Ta femme n'est pas une actrice, ta femme est une grande actrice. Je suis ça, t'es pas oublié comme lui, je te dis. T'es toujours oublié comme ça. Voilà, j'étais même à comme ça. T'as la braguette ouverte. Voilà, et ben voilà. C'est génial, j'imagine là quoi, tu vois, entre Colin Farrell, Richard Gere, tu vois. Bon, toi, t'as tout joué avec Nicole Kidman en même temps. Ouais, mais moi j'ai passé 2 jours avec elle. Ouais. Tu vois, c'est rien 2 jours. Ouais. Il y en a à qui ça suffit. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien, excuse-moi, hein, je suis comme toi. Ah tiens, tu t'es habillé en artiste. Je te reçois chez moi, bonjour. Ça va bien, Francis ? Tu sais que ta femme passe sa vie ici, hein ? Eh oui, moi je viens de... Mais je suis ravi, à toutes les semaines, mais tant que tu veux, tu peux même habiter ici si les méchants avec toi. Ouais. Tu bois quoi alors ? Champagne, ouais, un peu de champagne. Champagne ? Et toi, Francis ? Champagne, allez. Oh là là. J'en prends jamais. Ah bon ? Non, ça non, va ? Non, mais très bien. C'est rare de les voir tous les deux ensemble, hein ? Alors, ça doit être drôle quand même tous les soirs. Là. Toi, tu pars dans un théâtre et toi dans un autre.
Vous vous retrouvez après, au restaurant? Ouais. Comment ça se passe? Ouais, ça dépend des soirs. Ça dépend des soirs, dépend des soirs ouais. Ouais. Toi, t'es au Mathurin, toi, c'est où, là, le Candira? Antoine. C'est loin? À Strasbourg, c'est loin. Ah oui, c'est loin. Les Mathurins, c'est au Galerie Lafayette, au printemps. Ah ouais, ouais. Vers l'Opéra. Et puis, le Théâtre Antoine, c'est tout là-haut. Ouais. Et c'est au Théâtre Antoine et tous les théâtres à côté, c'est là où, en fait, c'est tout le quartier du boulevard du crime. Ça partait du Théâtre des Variétés, puis ça montait jusque là-haut. C'est un magnifique théâtre. Et vous vous retrouvez pour dîner après? Ouais, ouais, ouais. Et comment vous faites avec votre petite fille? Ben justement, c'est plus pratique que quand on travaille en même temps, aux mêmes horaires, que quand on a la journée, on est avec elle, et puis le soir, ben, on part travailler. Vous êtes ensemble toute la journée. Il y a Thelma, le soir, qui est à la maison. Ouais. Et puis, c'est une super babysitter. C'est mignonne. C'est... Ouais. Ah, t'as de la chance, parce que moi, ma femme, elle choisit toujours des babysitters super moches, donc j'ai jamais eu vraiment d'aventure avec. Jamais eu d'aventure avec une babysitter à la tête. Sans elle, on peut pas travailler, alors. Santé, Thelma. Et toi, ça va, là? T'es une critique dithyrambique, ouais, là. Je suis très heureux. C'est génial, non? Très heureux. Parce que Guitry, on a une telle image de Guitry, bourgeois, faiseur, cabotin, et puis il y a des trucs, et là, c'était un rêve, quoi. Mais ça fait longtemps que j'y pensais. En 30 ans, tu vois, t'étais même pas né. C'était en 71. Ouais. Tu voulais faire ça, déjà? Parce que je tournais à ce moment-là La Faute de l'Abbé Mouret avec Vera Belmont, qui était productrice, jeune productrice, et c'est Truffaut qui était derrière tout. Et puis, bon, on s'est rencontrés et il s'est mis à me parler. Moi, je lui disais « Je ne veux pas faire de cinéma. Je ne fais du théâtre. » Bon, et alors, il me disait « Ouais, non, bah tiens, ça, vous me faites penser à Sacha Guitry qui n'aimait pas le cinéma. Ouais. » En fait, il a fait des chefs-d'œuvre, dont un film qui est un des 10 plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, d'après lui et Wells, qui a... Le roman d'un tricheur. Le roman d'un tricheur. Il adorait Truffaut, ce film. Il l'a vu je ne sais combien de fois. Il y a 4-5 fois au sujet des Ursulines. Puis il m'a dit, faites-le au théâtre. Non, qu'est-ce que c'est? Bon, hop. Et puis, je l'avais lu. Et puis, 30 ans après, j'ai l'occasion de le faire. Tu connais l'histoire, non? C'est un rêve. C'est un môme qui punit un soir, qui mange des... Hein, c'est ça? Il ne mange pas de champignons, il est privé de champignons. Et tout le monde meurt dans sa famille. Et 11 personnes. Et tout le monde crève. Tout le monde crève. Comme ce soir, peut-être. Il y a beaucoup de champignons, ce soir. Et puis après, il se retrouve tout seul. Il y a des champignons, on sort des glaces. Il se retrouve tout seul. Et puis, il comprend, c'est la morale du truc extraordinaire, c'est qu'il comprend que plus tu triches, plus tu vis. Alors, il triche tout le temps. Mais ce que je trouve extraordinaire avec toi, et vous êtes 3-4 dans votre génération, c'est que nous, on a été éduqués à jouer des personnages, des rôles. Mmh. C'est-à-dire, tu changeais un peu ta voix, tes situres, ta façon de bouger, de parler. Tu vois, et d'ailleurs, on disait toujours, mais comment tu peux jouer à l'après-midi Don Juan, le soir Lorenzo Show, le lendemain Hamlet, etc. Et vous, votre génération, ce qui a été extraordinaire, c'est que vous ne composez plus des rôles. Vous êtes vous. C'est-à-dire que vous incarnez. On te prend toi, ton regard, ta façon de parler, ta façon d'être, de bouger, et puis on te fout. Et tu te mets dans la peau de ce qui arrive au type, mais pas dans sa peau à lui. Et ça donne une vérité de jeu qui, à mon avis, a bouleversé le théâtre. Et moi, je ne supporte plus au théâtre les gens qui composent. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Elsa Zilberstein, François Florent et Cléo. Quatrième étage, s'il vous plaît. Quel étage? Quatrième. Tu sais que Thierry, il a fallu qu'on vienne dîner chez toi pour avoir tout le monde ensemble. C'est qui? Elle est où? Elle arrive, elle est dans la France. C'est ce qui s'est passé quand il a passé la classe libre. Il passe le concours de la classe libre. Et c'est drôle parce que la même année, il y avait Marceau qui passait. Ah bon? Oui, qui a été reçu. Non, vos destins sont liés à la même année. À la même année. Pourquoi elle n'est pas venue? Voilà ce qui s'est passé. Il y avait 3 tours. Premier tour, très bien. Bon, deuxième tour, très bien. Putain, très impressionnant. Troisième tour, il en restait plus beaucoup. Une quarantaine, une cinquantaine. Au départ, ils étaient 600, je peux voir. Et puis, il arrive, et je te jure que c'est vrai. Bonsoir. Ça s'est passé comme ça. Troisième tour. Bonsoir. Une scène a passé. Écoute bien, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bonsoir. Il arrive, il y avait la porte ici. Il ouvre la porte. Il ferme la porte, il se précipite, il dit pas un mot, il se pète le genou. Et il s'écroule. Ah oui, il a été reçu. Merci. Il a été reçu. Mais non, il était tellement génial. On lui a claqué la porte.
appartenait à être. Tu appartenais, ma chérie. Ah, ah, je rêve. Ouais. Non, mais une fière à porte. J'ai champignon au contrat. Moi, ça veut dire quoi, j'avais la porte au nez. C'était l'année d'avant. Salut Elsa. Salut. Oh là, tu vas bien? Oh là Elsa, là. Alors là, la surette. Là. Bonsoir. Bonsoir, Yvan. Monsieur Florent. Ah, il y a de la meuf ce soir. Moi, je suis plutôt brune en plus, ça tombe bien. Je l'entends encore. Le vous êtes le fameux monsieur Florent. Voilà, le fameux monsieur Florent. Il existe donc. Oui, il existe donc. Ce n'est pas un mythe. Moi, j'ai dit, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, mais le pauvre Florent, il y a un mec qui s'appelle vraiment Florent. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Et alors, est-ce que mon c'est. Mon grand-père s'appelait Florent. Est-ce que. Il y a eu la même année, Attal et Marceau. Non, c'était pas la même année. Non, non, c'était l'année d'après. Marceau, c'était avant. Bien avant. Bien avant. Ah ouais. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi Francis Huster est tellement lié au cours Florent. Parce que quand on pense cours Florent, on pense Francis Huster. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il alors, a fait? Alors, d'abord, Francis a été un de mes premiers élèves. C'était tout au début. C'est quand? C'était au lycée Carnot. C'était en 60... Avant qu'il court Florent? Bien sûr, parce que je ne me suis pas improvisé comme ça. J'étais professeur au conservatoire du 17e arrondissement. Ah d'accord. Dont la directrice était Annette Haas-Amburger, la maman de Michel Berger. Michel Berger, oui. C'est voilà. Ça. Et elle m'avait recruté, et je me demande pourquoi. Et tu étais au lycée Carnot à l'époque. Oui, absolument. Ah oui, ça a commencé, mais bien sûr. Et Weber était très mauvais élève, mais lui, il adorait le théâtre, il jouait déjà. Non, je raconte ça, mais Weber était aussi au on lycée On était Carnot. Tous les deux, et on est rentrés tous les... Tu sais, écoute, c'est incroyable, il y avait une petite cour d'honneur. C'est, avec la, cour, une c'est la salle 2 du cours d'honneur, voilà. De la cour d'honneur. Et il y avait cours en face du monument par semaine. En face du monument aux morts. Et François avait été stagiaire à la Comédie Française. Annette l'avait choisi. Et puis, Weber et moi, on ne se connaissait pas, parce que moi, j'étais dans une classe, j'étais en première, lui était en deuxième, en seconde, je crois. Bon. Et puis, on est rentrés tous les deux dans la salle de classe. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et après, vous avez fait le cours après, alors? Bien après, ouais. Parce qu'au conservatoire du 17e, je suis resté combien? 4 ans, 5 ans? Oui, absolument. Et c'est à la demande de beaucoup d'élèves, parce qu'il y en avait beaucoup, qui m'ont dit « ça ne nous suffit plus parce que j'avais cours que le mardi de 6 à 8 ouais. ». Et ils voulaient avoir plus d'heures, alors j'ai commencé à louer une salle, rue des Saules, que tu as bien connue oui. aussi. Et c'est ainsi que l'aventure a commencé. Ouais. Mais j'enseignais auparavant. Et ça coûte combien de faire ce cours-là? Ça dépend ce qu'on y fait. Si vous êtes lycéen, vous venez une fois ou deux fois par semaine. Si vous y êtes toute la journée, c'est un peu plus cher. Ouais. D'alentour de 300 euros. Et ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'idée tout d'un coup de créer une classe gratuite, mais vraiment gratuite. Donc, mais qui payait alors cours. Qui finançait? C'est autofinancé. Bah, c'est l'école qui se chargeait de ça. Je n'ai jamais eu la moindre subvention. Et ça fait combien d'années? Vous n'avez pas de subvention. Vous avez formé tous les acteurs français, vous n'avez pas gagné d'argent en fait. C'est un mec qui a formé tous les acteurs absolument. Français. Non, c'est incroyable. Absolument. Alors, on va fêter le champagne parce qu'il aura la Légion d'honneur bientôt. Non, mais c'est fait. Alors c'est fait. Moi je suis en promotion 25 de classe limitée. 25. Ça fait 25 ans, ça existe, c'est ça? Oui, voilà. Octobre 1979. Et dans la première promotion, donc il y a 25 ans, il y avait Dominique Blanc. Oui. Qui avait raté trois fois le conservatoire. Charmetant, ouais. Christian Charmetant, Duléry. Oui. Duléry, oui. Absolument. Il n'est pas là, Duléry. Mais non, il tourne, Duléry. Je crois qu'il est au Maroc ou un truc comme ça. Non, mais quand même, pour les avoir tous, il va falloir m'inviter très souvent. Eh bien, je peux t'assurer qu'à cette époque-là, François, et ça a duré pendant 25 ans, les élèves qui étaient musulmans, juifs, noirs, moches, petits, gros, bigleux, mal dans leur peau, boutonneux, tous les élèves, des lunettes, ils ont été, c'est plus qu'un père, c'est-à-dire qu'il a été humainement exceptionnel. Ouais, vous avez il y a des gens à cette époque-là qui n'osaient pas faire du théâtre parce qu'ils par rapport à leur famille. Ouais. Moi, j'aurais jamais fait ce métier s'il n'était pas venu voir ma mère à son atelier de couture. Il est venu voir ma mère et lui a dit faut lui foutre la paix maintenant, il faut qu'il fasse du théâtre, vous allez le laisser tranquille. Jamais. Et Weber, pareil. Et bon nombre de jeunes. On parlait de Sandrine Kiberlin. Elle était toute jeune. Elle était, on aurait dit la femme de Popeye. Ouais. Elle était maigre comme une asperge. À cette époque-là, tu sais, pour être reçu à des concours, il fallait avoir, tu vois, un certain style. Bien, mais je ne sais pas ce que tu vas raconter. Alors, je te donne des coups de pied sur la table. Ah, mais je ne sais plus ce qu'il a été dit exactement, mais je me souviens
qu'au troisième tour de la classe libre, il y avait un gars qui était au jury. Enfin, c'était quelques années, il y a longtemps. Oui, bien sûr. Il y avait un gars qui était au jury, le doyen, il était déjà doyen, c'est le doyen, non pas d'âge, mais de de cette école, qui a pris la parole pendant au début de son troisième tour, et tu l'as engueulé. Mais il m'a engueulé pour un tournage. Engueulé. Parce que... Engueulé, tu as engueulé réaliste ce jour-là. Oui. Pourquoi il c'est psychanalytique, non. Cette oui. histoire. Oui. Hein, il m'a engueulé parce qu'au fait, c'est en août, enfin en été, moi j'étais partie en vacances et il cherchait quelqu'un pour un film sur Chateaubriand. Il cherchait une jeune actrice. Et il avait repéré ma photo au cours Florent. Parce que ce qu'il y avait de bien avec Francis, c'est qu'il allait toujours, donc quand il faisait des films aussi, c'est vrai qu'il essayait de piocher pour des petits rôles, au moins des élèves du cours, pour essayer de les faire travailler et tout ça. Donc il avait fait un petit casting dans le film, et il a dit, tiens, pour ce rôle-là, cette fille-là en photo. Et ils ont essayé de me joindre, moi j'étais en Espagne, en vacances, tout ça. Et mon père, ouais. Il dit, allô, c'est un cours Florin, il a téléphoné, mais est-ce qu'il faut que je revienne pour un casting? C'est un casting, c'était lui quand même qui appelait, ouais. Et je ne suis pas revenue, je dis bon c'est un casting, je l'ai raté, tant pis. Et quand je suis revenue, je fais mon examen, mais comme un pied en plus, parce que... Et je me dis, je dis rien parce que par rapport à cet été, parce que bon... Et il me dit, au moment de partir, il me dit, Réali, vous êtes fière de vous pour cet été? Et il commence en disant... Devant tout le monde, devant tout le jury. Oui, en disant qu'on ne part pas en vacances quand on veut faire ce métier. Et ça a vraiment commencé comme un film américain. J'ai dit, mais j'étais en Espagne en vacances. On ne part pas en vacances quand on veut faire ce film, quand on veut faire ce métier, tout ça. Et ça, ouais, il était dur, Francis, parfois. Ah oui, je suis pas sûre. Bon, j'ai raté ma classe. J'ai son nom. T.A. C'est où, T.A. Ah oui, c'est... Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Le Billon et Steve, je suis ça. Au quatrième étage, s'il vous plaît. Merci. Oh, il y a des tags hein, quand même chez lui, il y a de la racaille qui vient me voir. Charlisson, c'est une racaille, c'est lui. C'est lui qui tague l'ascenseur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Entrez. Merci. Bonsoir. 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 Vous me donnez vos manteaux. Oui. Merci. Voilà. Vous passez d'abord par la cuisine. D'accord, merci. J'ai pas eu le déclic encore, quoi. C'est plutôt un spécialiste du François. Les deux bosseurs. Salut Sam, ça va? On va passer à table là parce que. Alors, Elsa. C'est comme les bar mitzvahs, qu'est-ce qu'il y a de comparable au bar mitzvahs? T'es à côté de moi, Elsa. Et donc, c'est une vraie bar mitzvah. Bon, asseyez-vous, mes enfants. Hein. Allez. Tu peux enlever ton sac pour me dire ça, s'il te plaît. C'est toi qui as fait le film avec Titoff? Oui. Et alors, il est bien? Oui. Ouais. Il a fait le film, tu sais, à partir du roman de Stabenrath, oui. Là. Oui, oui. Il s'appelle Cavalcade. Qui est un très très beau roman. Ouais, je le vois souvent, ouais. Il a bossé. Hein, beau... Il a bossé, on est resté. Thierry, je peux te dire qu'on fera le chemin. Et même l'accent, il n'y est plus. Ouais. Ah bon. Ouais. Ouais. Donc voilà, il a bossé, on est resté 3 mois à Garches, il a travaillé 4-5 heures là-bas. Il a fait 2-3 heures de texte, 2-3 heures d'articulation tous les jours. Il a perdu 19 kilos, donc ouais. Il a travaillé. Ouais. Et il sera. Voilà. Steve, t'as pas vu ses films? J'ai vu L'Envol. L'Envol, c'est avec Clément Ciboni. Oui. Bien sûr, j'adore. Ouais, oui. Et c'est autobiographique complètement, non? Oui, c'est-à-dire que en sortant de chez Florent, j'ai beaucoup joué au théâtre et en ayant un peu marre d'attendre le désir des autres, ou en faisant peur aux gens parce que j'avais trop envie, je crois, je me suis mis à vouloir écrire et comme je ne savais pas écrire, je me suis servi de mon histoire.
pour essayer de raconter une histoire universelle. Et après, je me suis fait aider par Marc Esposito. Ouais. Qui a fait Le cœur des hommes, qui est un très beau film. Ouais. Voilà. Et on a fait un premier film qui s'appelle L'Envol. Voilà. Ouais. Ouais, que j'ai vu. Ouais. Et grâce à ça, j'ai réussi à faire d'autres films. Et toi, lui, c'était, lui à l'école, tu étais un meneur de classe, non? Il était bord. Hein? J'étais un peu révolté. C'est un boxeur. C'est un boxeur. Ouais. J'étais un peu révolté. J'étais bouché chez mon grand-père la nuit et j'étais en cours la journée. Et voilà. Comme j'osais pas le dire aux gens de mon quartier que je voulais être acteur parce que c'était un truc un peu déplacé à l'époque, j'arrivais un peu le corps en avant, quoi. Donc voilà, mais j'ai des souvenirs sublimes. J'ai travaillé une scène du Parrain avec Christiana Reali. Ah, oui. Pour, ah, une scène du oui, Parrain. Parce que nous, on n'était pas très branchés Molière et Shakespeare. Ah oui, c'est bien. Voilà. Ça, c'est déjà mieux, ça. Ouais. On trouvait Shakespeare formidable dans l'idée d'écrire des seconds rôles et tout. Et à un moment, je vais la voir et je lui dis, tu sais, il y a une scène dans Le Parrain 2, elle est extraordinaire. C'est la scène où elle lui annonce qu'elle ne veut plus un autre enfant et qu'elle a avorté parce qu'elle ne veut plus faire un gangster, quoi. Et voilà. Et en fait, on était fous du Parrain. On est des accros des trois Parrains. Et on allait se taper la nuit du Parrain au Max Linder, tu te rappelles, au Parrain. Ouais, ouais. Toute la nuit, on regardait le Parrain et on en a travaillé. Donc, on a montré à Francis une scène, on a filmé même une scène du Parrain. Il était très énervé à l'époque puisqu'il était déjà amoureux de Christiana. Ouais, et il voyait qu'elle passait ses nuits avec toi. Elle passait ses nuits avec toi, tu l'as raconté dans le film. T'as pris Isabelle Carré pour pas me faire de la peine. Et dis-moi, il y a des fois des gens qui se suicident ou pas? Alors, ça c'est une histoire très importante. Ouais, moi je me souviens d'avoir joué avec, d'ailleurs dans Biloxi Blues. Ouais. Avec une actrice qui était vraiment géniale, Oriane. Oriane, c'est vraiment magnifique. Quoi. Elle s'est suicidée. Ouais. Oriane, c'était une ancienne danseuse qui a eu un accident de voiture, qui était un peu défigurée, mais qui est une très belle femme et qui s'est suicidée. Ouais. Magnifique actrice. Mais j'ai un autre cas de suicide, une fille qui n'a pas été reçue en classe supérieure. Ah ouais. Au mois de juin, fin juin. Et plutôt cette personne n'a pas été prise en classe supérieure car il y avait un veto de son professeur. J'ai accédé à son désir et elle s'est suicidée début juillet parce qu'elle n'a pas été prise en classe supérieure. C'est dire que ça pose beaucoup de problèmes, la sévérité dans ce domaine. Non, ce qui est génial, c'est qu'il y a un côté aussi, vous décidez un peu du destin des gens. Quoi. Parrain, le parrain, oui. C'est au jury du conservatoire, c'est pire. Ouais. C'est pire. Et ils se parlaient pendant qu'on passait, hein, pendant qu'on se concentrait. Tu as raison, mais c'est vrai. C'est vraiment des ordures quand même. Au bout de 20 secondes, mais vous savez très bien, vous êtes metteur en scène, au bout de 30 secondes, tu sais qui est là. Et tu te dis. Parce que t'es comme le public. Quelqu'un qui voit un film, tout d'un coup, au bout de 30 secondes, tu dis oh, prof, qu'est-ce que. C'est différent, je suis pas d'accord avec toi. C'est différent, parce qu'il y a quand même des gens qui se révèlent un peu plus tardivement dans une école. Alors qu'au cinéma, tu vois un film et il y a un gars qui est bien ou pas bien. Il y a quand même des gens qui sont quelquefois laborieux au départ et qui ont des choses à dire par la suite. Isabelle Nanty était haute comme ça. Ouais. Elle a été reçue à la classe libre. J'ai été son professeur pendant 3 ans. Je l'ai distribuée dans je ne sais combien de pièces en essayant de la faire jouer dans des rôles les plus importants par rapport à ce qu'elle était, c'est-à-dire comme Villeray, quelqu'un à pisser de rire, qui avait un humour, qui avait une espèce de raideur, un personnage, quelque chose. Je me fais même fait jouer un rôle d'homme dans Richard III, le duc d'York, où elle chantait, etc. Et tout. Et ben, dès le départ, Isabelle, on savait... Après, elle est devenue professeure. Super prof. Metteur en scène. Super prof et super metteur en scène. Tu sentais que ce qui l'intéressait, c'était le cinéma. C'était autre chose, c'était un dépassement, c'était de dominer quelque chose. Alors qu'il y a des jeunes qui arrivent, et c'est ça surtout le problème, c'est comme un jeu d'échecs. Ceux qui dominent, et puis ceux qui se laissent dominer. C'est un double métier. C'est ça, et en vous voyant arriver, la seule chose qu'on se dit, est-ce que c'est quelqu'un qui va dominer? Donc, futur metteur en scène, même dans le choix des rôles et tout. Choix de carrière. Vincent Lindon, il ne s'est jamais fait dominer. Il choisit, il va voir les gens, je veux le rôle. Il se met à genoux devant Alain Sarr pour avoir le rôle d'un film. C'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Alain Sarr lui a donné, il était merveilleux dans le film. C'est quelqu'un qui domine tout, dans sa carrière, dans sa vie aussi. Oui. Et puis, il y a au contraire des comédiens qui ont une fragilité de cristal et qui ne veulent qu'être dominés.
Non, en fait, moi, j'étais dans exactement dans le même état que tous les, toutes les filles étaient. Non, il était un peu la star du cours. Ah ouais, lui, tout cool. Ah lui, il était la star. Si, si. Non, je parlais par rapport à moi. J'étais exactement comme voilà, on était toutes. Donc non, j'étais pas. Ça, je faisais, on ne voulait pas y arriver, on tremblait. On était entre la fascination. Dans le cours, et... il nous regardait pendant 10 minutes. Et au fait, dès qu'il avait un geste envers une de nous, c'était. Ouais, mais... Aujourd'hui, j'ai eu tout à coup la main sur l'épaule. Et nous, on le bénissait quand il avait un tournage, on savait qu'il venait pas à l'école. Mais il y avait aussi les mecs. Hein. Les mecs, ils voulaient pas l'avouer, mais les mecs aussi étaient, étaient fascinés par Francis. Hey, Francis, t'as dû choper un maximum, quoi. Non, mais il était très malin. Il a dû choper un maximum. T'imagines, le mec. Non, parce qu'il a. T'imagines. On voulait être ta préférée, ça quoi. Ça va être très bien. Clotilde Courau, c'était une chouchoute aussi. Ah bon? Oui. Oh là là, énorme. Oh là là, énorme chouchoute. T'es jalouse. Comment elle était, Clotilde Courau, quand elle était au cours? Elle était un peu cossarde. Hein. Ah. Elle parlait pas un grand mot. Ouais. C'est très curieux parce qu'à un certain moment, on l'a même foutue à la porte. Ah ouais. On l'a foutue à la porte et puis après, on lui a quand même donné un Jacques. Alors, le Jacques, c'est oui, c'est les récompenses, le Jacques. Hey, c'est Duléry. C'est Duléry, voilà, c'est que vous. Duléry qui est à Marrakech en train de dîner avec Belmondo. Et tu devais déjà être en classe. C'est pas vrai. Donc on a pas mal de potes en commun, genre avec toi. Mais ça va bien, ma poule. Écoute, je regrette que tu sois pas là. Mais je sais, tout le monde est à Marrakech pour tourner le film de Diane Curis en ce moment. Je te passe Huster, ça va lui faire plaisir. Eh hey. Bah t'en fais pas qu'on mange. Comment tu vas? Courante, c'est ta peau. C'est formidable. Bah oui. Sur ton spectacle, Francis, tu vas évidemment me dépêcher de venir te voir. T'as intérêt, merde salope. Quand est-ce que tu vas venir? C'est vrai que tu sais imiter Huster? Ouais, complètement. Alors vas-y, fais-moi Huster. Comment ça va, mon bébé? Je suis très content d'entendre ces Francis Huster. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se passaient en 1940 avant. Oh, et tu es je vais te dire un truc, Anthony. Écoute-moi là, écoute-moi. On va monter, tu sais, les parapluies de Cherbourg. Alors j'ai tiré un vaisseau qui va faire une sorte de. Tu fais un tabac là, Antoine. Ouais. Et Céro, il est pas à Marrakech? Et Céro, il est pas là? Michel Céro, il est pas là? Antoine? Ah bah si, il est à côté de moi, Michel Céro. Passe-le-moi. Vous êtes tous là, mes enfants, ou alors? Voilà, comme tu as dit, bah voilà. Hein, bon, ça va, vous êtes contents, ça va, tout se passe bien? Ouais. Une bonne ambiance? Ouais, ça va très bien. Je vous embrasse tous. Porte-toi bien. Embrasse le chien de Belmondo. Ouais, j'embrasse Jean-Paul. Il ose pas, il dit j'embrasse Jean-Paul. Et on vous embrasse tous. Non, le chien, non, Belmondo, je m'en fous. Embrasse le chien. D'accord. Sois courageux, embrasse le chien. Vous êtes combien, là, alors, à cette précipitation? Bon, on est un certain nombre, et c'est très bien. Les filles sont déjà à poil et tout, ça va être énorme. Ouais. Bon, alors, ça tombe très bien. Tu sais que je suis au palais des congrès pendant 25 jours. Attention, ne buvez pas trop et rentrez vite. Ouais. Il n'arrête pas. Nous voulons que nous nous réveillerons un jour ou l'autre. Ils sont tous passés chez vous, hein, c'est incroyable. Hein. Non, pas tous. Ah bah, non, j'ai des regrets, il y en a qui ne sont pas passés. Qui vous regrettez, par exemple? Depardieu. Depardieu, il n'est pas passé, ah ouais. Oui. Absolument. Il a fait l'école de Châteauroux, lui. Ouais. Non, il était chez un confrère. Ah ouais, Jean-Laurent Cochet. Et Michael Youn, comment il était, Michael Youn? Il a pas mal travaillé. Il fait partie de ces gens qui sont transitoires dans ce qu'ils font à l'heure actuelle. Ouais. C'est-à-dire? Encore faut-il qu'il en sorte. Ouais. C'est-à-dire jouer des rôles, jouer de beaux rôles au théâtre, au cinéma. C'est un garçon qui avait bien travaillé, qui était très multiforme et qui, bon, quand il est parti, a pris son barda et fait ce qu'il fait. Et je pense que tout cela est pour arriver à autre chose. Et Audrey Tautou, vous n'y croyez pas, vous? Audrey Tautou, je ne pensais pas qu'elle ferait une carrière internationale. Ouais. C'est tellement rare. C'est les 6 numéros du loto. Ouais. On ne peut pas, on ne le prévoit pas. On ne le met pas en avant. Non, c'est pas possible. Que Audrey Tautou va tourner en Amérique.
on savait qu'elle allait travailler, qu'elle allait faire des choses. Ouais. Mais on ne pouvait pas prévoir, je vais Madame Soleil, pour dire tel film aura tant et tant de spectateurs, tel autre film aura tant de spectateurs, et qu'elle pourrait aller en Amérique. Ça, je ne le, bien ouais. sûr, pouvais pas le prévoir. Ouais, parce que là... Je peux le faire. D'accord. Je vais te dire ce qui s'est passé. J'ai eu des chances extraordinaires dans ma vie, au théâtre, La Peste, Lorenza Tchorizier, ouais. Firly, etc. Et puis tout d'un coup, il y a trois ans, Pierre Arditi devait tourner Jean Moulin pour TF1 Merci. Avec Bernard Murat comme metteur en scène. Taki Scandilis m'appelle à la tour de TF1 et me dit « Francis, est-ce que tu es libre là, dans six mois, dans machin et tout ça ?»« Pourquoi ?»« Jean Moulin, est-ce que tu veux le faire ?» Et c'est comme un truc qui me tombait sur la tête. J'ai dit « Oui ». Et ce qui s'est passé avec Acting, c'est que du premier, on a commencé par les tortures, par le pire. Je me suis trouvé à poil, suspendu à un truc, un harnais. Avec, ça, on a tourné en Angleterre dans un sous-sol plein de froid avec toute une équipe anglaise extraordinaire. Et je ne voulais pas devant les Anglais montrer que j'étais un peine-cul. Donc j'ai tout fait. Les tortures, la baignoire qui me pétait le torse, enfin, plongé dedans. Non, mais on a fait exactement. Non, mais je dis ça comme Christiana, ça. Christiana, excuse-moi. Ce qui était extraordinaire, c'est que tu n'as pas donné le nom. Tu n'as pas donné le nom des résistants. Et c'est là où tu es très fort. Mais oui, parce que mais tu aurais rigoles, pu balancer. Tu rigoles, c'est pour ça que tu veux pas prendre un théâtre. Deux secondes. Tout ça pour te dire qu'il appelait, il disait je peux pas te parler, je suis avec les Allemands. Mais attendez, les mecs, tu sais ce que c'est que d'être tenu par deux mecs, deux cascadeurs anglais qui te tiennent et qui pendant montre en main, il y a le making of, tu peux le voir, mais pour je le voir ce soir, main, te prennent par là, te tirent vraiment, te clouent vraiment et te foutent vraiment dans la baignoire pendant deux heures avec trois caméras qui étaient là et Acnine avait tellement, il était dans une autre pièce et tu le vois dans le making of et il faisait encore. Il était là. Il y avait Christiana au téléphone ou pas? Il me disait, je peux pas te parler. Je peux pas te parler, les Allemands arrivent. Le froid, eh ben, par exemple, il y avait une autre scène où Moulin s'est jeté contre un mur. Et le décor, ils avaient demandé de faire un truc, tu sais, en mousse. Ah. Non, rien n'a été fait. C'était le vrai mur. Et j'ai foncé sur le mur. Et on l'a tourné qu'une fois. Parce que j'ai tapé la tête. Bon, et je suis tombé. Tout ça pour dire. Nicole Jamais doit jouer Agnès de l'École des Femmes. Elle tombe enceinte. Et je dis à Pierre Dux, Pierre, Rouleau est en train de tourner l'École des Femmes avec une fille extraordinaire. Il faut que Jean-Paul la voie. Il la voit. Ça s'approche. Il la prend. Je devais jouer Horace. Et Dux... Attends, Christiana, est-ce qu'il se défend ou pas? Non. Elle triomphe au théâtre dans l'École des Femmes. Je reviens donc après le tournage du film et Pierre Dux a comme projet de monter Ondine avec... Avec Ça s'approche. Avec Nicole Calfan et quoi? François Beaulieu. Et François Beaulieu a cassé sa voiture à Rouen. Laissez-moi finir. Faut t'enfermer, t'es malade. Attendez, Thierry. Je vais te dire un truc, Francis. Je pense que tu es un très grand. Francis, je pense que tu es un très grand acteur, mais que tu es fou. Profitons de l'absence de Christiana, est-ce que tu as sauté Isabelle Adjani? C'était ma question. Elle n'est pas là. Non, je... Je suis... Non, on ne veut pas savoir. Laisse tomber. On ne veut pas savoir. Tu rigoles. C'est pas le temps que Christiana soit au toit. Il faut que Christiana parte 3 mois en vacances pour nous raconter son histoire avec Adjani. Christiana, il faut qu'elle parte en tournée, là, en fait. Je... Isabelle, elle est toujours là. Il y a des choses entre elle et moi qui nous regardent, qui sont très importantes, personnellement. Je suis simplement... je me suis retrouvé un jour avec André Dussolier, Isabelle et moi, en face du RUC, pour discuter de ce qui allait se passer. Dussolier, il a avoué, lui. Hein.
Oui, pour ce qui se passait, pour ce qui allait se passer de sa vie, pas seulement privée, mais artistique, elle a choisi de faire du cinéma et elle a abandonné entre 20 ans et 40 ans tout un répertoire qu'elle ne pourra jamais plus jouer. Là, oui. Elle est passée à côté. Je pense que c'eût été mieux, si tu veux, pour elle, de faire ses 5-8 premiers grands films, rôles, machin, tout éclaté, et après de faire 15 ans de théâtre et de revenir après. Oui, mais il y a d'autres paramètres. Parce que pour moi, Isabelle, c'est comme Signoret. C'est quelqu'un qui, maintenant, doit avoir une carrière d'une femme de 50 ans qui elle tourne... Elle ne voudra jamais, elle ne voudra jamais. Mais bien sûr que si, elle le fera. Elle le fera. Tourne demain l'Armée des Ombres, un remake avec Isabelle, tu verras. Et il faut... Bon, il a avoué. Hein. Ah oui. Chris. Non, mais je ne veux pas savoir. Je me souviens d'un dîner chez moi. Ouais. Où il y avait Francis et Isabelle. Mais j'ai rarement vu un Francis, et Christiana me comprendra très bien, un Francis aussi... Je sais pas. Aussi désespéré, aussi amoureux. Car ce qui est très curieux dans cette relation, c'est qu'ils se sont croisés quelque part. Et ça, c'est toujours de très belles histoires d'amour, ouais. Les gens qui se croisent, bien sûr, et ça n'aboutit pas. Et je me souviens de ce dîner où Francis a fait des efforts extraordinaires pour la reconquérir, et ça n'a pas eu lieu. Reconquérir. Absolument, absolument. Et c'était très beau. C'était très beau. C'était très touchant et extrêmement beau. Et Yvan, il se tapait toutes les gonzesses aussi, non ? Yvan, moi j'ai un dossier grand comme ça. Ouais. Non mais, Christiana, tu me comprends très bien. Évidemment. Mais évidemment. Non mais Yvan, c'est vrai, non ? Il paraît qu'il était... Oui, oui, oui. Moi, je n'observais pas ces choses-là. Ouais. Hein. Moi, je n'avais pas le droit d'entrer. Non, ouais, tu étais dans le bureau sur cours. Moi, je ne pouvais pas savoir. Il y avait 80%, 80 filles pour 20 mecs. Ah. 20 sur 20 mecs, il y a 15 homosexuels. Et 5 hétéros. Il y a 5 hétéros pour 80 filles. T'es d'accord avec moi que c'était la vraie histoire. Il y avait Steve, Martinez, moi, et puis les deux autres, je sais plus ce qu'ils sont. Ils sont morts. Il y a des garçons quand même en ce moment. Oui, il y a toujours plus de filles. Mais j'ai jamais dit le contraire. Est-ce qu'il y a des beaux garçons? Est-ce que vous avez un amoureux du cours en ce moment? Ah. Ouais. Voilà. Tu vois. Mais c'est terrible, le cours Florence. Voilà. C'est une sociale. Faire ce métier parce qu'on veut se taper des gonzesses, c'est mauvais. Mais faire ce métier sans qu'aucune gonzesse, on n'en ait tapé aucune, est aussi mauvais. Alors Samuel, autre chose. Toi, oui. T'es producteur. Oui, aussi. Alors raconte ça un petit peu. Et je vous invite à voir au Théâtre des Mathurins, dans la petite salle, François-Xavier. Ah ouais. Ah ouais. Juste en dessous de Francis. Ah, il est formidable. Qui fait un one-man show où il interprète une quinzaine de personnages différents. Et c'est vraiment fabuleux. Et c'est quelqu'un donc, qui est passé par le cours Florent. Encore la classe libre, oui, encore. Parce que moi, j'ai quand même été refusé à la classe libre. Mais comme quoi, on peut se tromper des fois, hein, puisque j'ai raté la classe libre et j'ai réussi à faire ce métier et à en vivre. Bah, écoute, arrêtons. Hein. C'est pas parce qu'on rate la classe libre qu'on ne peut pas faire ce métier. Bah, la preuve, voilà. Que je cette histoire. Voilà, mais absolument. Enfin, Samuel. Mais non, mais justement, c'est intéressant de parler aussi de là. Il y a un gars. J'ai bien. Non, j'entends des souvenirs par rapport à la classe libre, plein de choses, les ateliers, des choses. Et je trouve ça vachement intéressant. J'ai l'impression de voir une famille et j'ai l'impression en même temps de ne pas en faire partie. Mais bah non, tu sais ce que c'est. Mais je dis ça, j'espère qu'on ne sent aucune tristesse, aucun regret. Je veux dire. T'as passé combien de temps, quoi? 15 jours? Non, un peu plus. Quasiment une année. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais folle de moi à ce point? Mais je savais pas, Elsa. Oui, mais tu te rappelles plus, mais. Ah là là. Incroyable. C'est vrai qu'il est très séduisant, hein. C'est marrant. Hein, mais c'était pas le même. Il a du charme, Yvan. Hein, oui. T'étais à la fois très dragueur et extrêmement timide. Plus du tout le même. Il était plus du tout. Il était pas timide. Timide. Il était pas timide. Il était pas timide. Timide, c'était un chacal. Un chacal. C'était sur un Jenny, tu pensais qu'elle se consacrerait à 30 ans de théâtre, et moi je pensais que Christiana se consacrerait. J'ai pas dit à... ça. Bon, Gilles. Je pensais que oui. Christiana, entre 20 et 40, oui, ferait du cinéma. Bonjour, c'est Géraldine Martineau. Quatrième étage, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir.
Vous voulez garder votre blouson ou vous posez comme vous voulez. Avancez. Ah mais ça serait une bonne idée. Hein, bonne. Oh bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pour Florence, monsieur? Absolument. Viens embrasser ceux que tu connais. Oui. Oui, papa. François, si je vais vous voir demain pour en disant que je vais être comédien, qu'est-ce que vous allez faire comme test sur moi? Vous me demanderez d'apprendre une scène pour la semaine suivante, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est ouais, ça. Par oui, cœur. Par cœur. Sans fiche, sans oreillette, sans prompteur. Quoique, attends. C'est ce que oreillette, pourquoi pas? Oreillette, pourquoi pas? Oreillette, ça se fait. Johnny Depp. Ouais. Johnny Depp. C'est ce que Johnny Depp. Johnny Depp, oreillette. Et Ardisson. Rando. Ouais. Et Depardieu. Depardieu. Dans quoi tu parles? Johnny Depp oreillette. Johnny Depp oreillette. Johnny Depp texte. C'est la musique. Ouais, il a comment il se venge, t'as vu? C'est sa gonzesse, elle est amoureuse de Johnny Depp dans le film et derrière, il te le casse avec l'oreillette. C'est un truc génial. Ouais. Je trouve que c'est une méthode géniale. Pour te mettre dans un état. Non, mais pas avec le texte. C'est-à-dire qu'il a une oreillette, il tient ça de Brando, il a une oreillette qui lui envoie de la musique. Ah là là, attends, je trouve ça génial. C'est génial ça. Sans déconner. Ça te met dans un état. Ça lui envoie de la musique parce que lui, il marche à la musique comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'écoute de la musique, je pars. Mais tout à l'heure, vous parliez toujours ce fantasme. Il y en a qui ont du talent, le don, etc. Et puis les autres qui n'en ont pas, c'est pas vrai du tout. Comme si, par exemple, des professeurs, des pédagogues, appelez-les comme vous voulez, voyaient les gens défiler, disaient « Ah, celui-là, il est fait pour ce métier, celui-là pas, celui-là, il a du talent, celui-là n'en a pas ». C'est pas ça du tout. Moi, je pense que tout le monde peut être comédien. Bien sûr, c'est une question de timing. Non, c'est, à mon avis, c'est tout le monde veut être aimé. Et ceux qui seront comédiens, c'est ceux qui se sentiront plus aimés par le public, par les professionnels dans ce métier, que dans leur vie familiale ou culturelle. Et ça se sent. Et il y a des gens qui étaient formidables au cours, mais qui finalement ont trouvé beaucoup plus d'amour dans leur cercle. Bien sûr, c'est tout. Et le pire parmi nous, ce sont ceux qui continuent à faire ce métier alors qu'ils sentent qu'ils ne sont pas aimés, qu'ils n'y sont pas aimés. C'est horrible. C'est horrible, il y en a beaucoup. Là, c'est bien parce que c'était concis. D'accord. Ok, d'accord. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Christiana, c'est le disque de Béatrice, la Paris dernière 4. Écoutez, je vous promets, je fais comme Pierre Bézoukhov dans Guerre et Paix, je vais sur le balcon avec un verre de champagne, debout, si vous ne hurlez pas de rire à mon histoire. Ou ça, c'est risqué. Allons-y. Fréhel habitait, il tournait à Nice, Fréhel habitait au Negresco. Elle rentre au Negresco, elle prend l'ascenseur. Arletty prend l'ascenseur en même temps qu'elle. Ils arrivent au premier étage, Fréhel pète. Ils arrivent au deuxième étage, Fréhel rote. Non, je me suis trompé. Premier étage. Premier étage. Elle rentre au premier étage. Et elle pète au second. Ouais. Et quand l'ascenseur arrive au troisième, sauf que le troisième, elle dit
Ah ben dis-le, heureusement qu'il arrive parce que j'allais chier. Et là-dessus, Arletty lui dit, oh ben madame Fraël, venez que je vous embrasse. Voilà, c'est tout. L'histoire du roman La Tricheur. Bon, alors, je vais faire bien mes sous-coffres. Et le mec se jette par la fenêtre à la fin. Fais gaffe, hein. Parce que le théâtre perd un grand serviteur quand même. Alors, je ne sais pas. Je peux pas me jeter par la... Ah là là. Non, reste avec nous. Pense à tes enfants. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.